toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Bouger les yeux pour guérir l'esprit, ça paraît fou, et pourtant c'est le pari de l'EMDR, méthode fondée par la psychologue américaine Francine Shapiro, auteure du livre de référence « Des yeux pour guérir ». Utilisée à bon escient, cette technique offre des résultats étonnants, mais soulève de nombreuses interrogations. Tout d'abord, à qui s'adresse-t-elle, cette technique? Comment ça marche? N'est-ce pas une méthode intrusive de l'esprit? Pour nous en parler, rejoignons de ce pas Elia Billou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Sois le bienvenu dans Parents c'est un métier, on va parler d'un domaine que tu maîtrises parfaitement, l'EMDR. Qu'est-ce que c'est? Alors, maîtriser parfaitement, je ne suis pas certain. mais c'est en tout cas une des choses que je propose à mes patients pour pouvoir justement les aider dans leur blocage émotionnel. Qu'est-ce que ça signifie émotion, mort de rire? Pas du tout. Alors en fait, ça s'adresse surtout à tout ce qu'on appelle des ESPT. D'accord. Des PTSD en anglais, c'est des états de stress post-traumatique. Par exemple, Exactement, il y a un choc émotionnel. Alors, après-guerre, mais par exemple, ça a été beaucoup relié à cause des attentats qu'il y a eu tous les attentats différents qu'il y a eu en France. C'est conseillé pour tout ce qui va être autour des chocs violents à composantes corporelles. Est-ce qu'on peut prendre des exemples bien concrets? Alors, une agression, quelqu'un dans la rue qui va venir vous agresser pour vous voler quelque chose, par exemple, ou simplement une agression gratuite, hein, pas forcément une volonté de l'agresseur. Et en fait, toutes ces composantes-là vont créer chez l'individu un choc émotionnel. Alors, soit il y a un choc émotionnel, ou alors il peut y avoir une succession de petits chocs émotionnels qui vont conduire en fait au grand choc émotionnel. Par exemple, ça peut être du harcèlement à l'école, qui est latent, c'est-à-dire pas avec agression physique, mais tous les jours, on va vous dire à l'école, quand vous allez arriver vers l'âge de 6 ans, tu es nul, tu sais pas faire, c'est moi le plus fort, toi, donne-moi ton goûter, ce genre de petites choses. Du coup, ça, c'est du harcèlement, la personne se sent opprimée, en fait, sur le plan psychique et émotionnel, et au bout d'un moment, fort que ça se reproduise au cours de la vie, ça peut créer un grand choc chez l'enfant, un choc émotionnel avec des pensées négatives vis-à-vis de lui-même. Comment ça marche? Alors, l'EMDR, en fait, on utilise ce qu'on appelle des stimulations bilatérales et alternées, des SBA. D'accord. Ces stimulations sont visuelles, c'est celles qu'on voit le plus couramment sur le plan médiatique. Il y a aussi des stimulations tactiles et auditives. Et en fait, elles se produisent. Alors, moi, j'ai une petite machine, qui est celle-là. Petite. Cette machine, en fait, elle est toute simple. C'est des stimulations qui vont de droite à gauche. D'accord. Sur le plan visuel. D'accord. Sur le plan auditif, ça va être des stimulations de chaque côté. Et tactile, ce sont juste des manettes qui vibrent. Ces stimulations n'ont rien de particulier à part qu'elles sont bilatérales et alternées. Et via un protocole spécifique où on demande d'associer certaines choses au patient et avec ces stimulations, en fait, on peut évacuer certains chocs, certains apprentissages négatifs de sa vie. Et on parle de guérison psychique. On travaille essentiellement sur l'amygdale qui génère en fait nos émotions, l'hippocampe qui est en fait une garde pH par rapport à nos souvenirs, et on permet en fait aux souvenirs et aux émotions de s'évacuer comme elles auraient dû à la base, mais comme le choc est trop important, le cerveau veut vraiment les garder en mémoire pour éviter toute situation qui pourrait potentiellement reproduire le même choc émotionnel, sauf que les situations elles sont terminées et il faut le dire au cerveau. N'est-ce pas une méthode un petit peu intrusive pour l'esprit? Alors, vu qu'on passe par un moyen existant pour le cerveau, mais il y a eu un blocage au niveau émotionnel, le cerveau ne le vit pas comme une intrusion. D'accord. Par contre, bien sûr, que comme toute technique thérapeutique, il faut que le patient soit 100% en accord avec la technique qui est utilisée. C'est une phase d'ailleurs de préparation où on explique enfant, adulte ou parent. Quelle est la différence entre cette méthode et l'hypnose, par exemple? Alors, l'hypnose est moins bien référencée sur le plan scientifique. Le MDR a montré plus d'efficacité. Il peut y avoir des similitudes, mais l'hypnose, on est plus sur un côté un peu plus de l'inconscient, où on va chercher à travailler de manière latente via des protocoles spécifiques, alors que le MDR, la personne est tout à fait consciente déjà, et en plus, émotionnellement, est plus invasif. Mais par contre, on a derrière des résultats qui sont plus probants aussi.
Faut combien de séances pour arriver à se sortir d'un gros souci personnel? Alors, le MDR en France est un peu maîtrisé par une association qui est EMDR France. Et sur leur site, vous verrez que par exemple, ils préconisent entre 6 et 8 séances pour des traumas simples. Et pour tout ce qui est trauma complexe, on est sur plusieurs dizaines de séances. Ça dépend vraiment du vécu de la personne, sur quoi en fait on va aboutir aussi en EMDR. Mmh. Et sur le nombre de contenus, le nombre d'années qui s'est écoulé aussi. Il y a pas mal de composantes différentes. C'est compliqué d'estimer, mais on est sur ce qu'on appelle des thérapies brèves. Et des thérapies brèves, donc du coup, on n'est pas sur des thérapies longues de 10 à 15 ans. C'est des thérapies qui vont de 6 mois à 1 an, 2 ans. Merci beaucoup, Elia, pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très vite dans d'autres numéros, dans d'autres thèmes dans Parents, c'est un métier.